en fait des différents projets sur lesquels on travaille. À chaque fin de projet, on a donc des rétrospectives avec les différents points à améliorer et les bons points qui ont été mis en place, donc les différentes corrections qu'on avait vues sur les anciens projets. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir ce contact avec les éducateurs pour vraiment améliorer notre formation. Plus facile, elle est vraiment plus facile. Il n'y a pas vraiment cette barrière qu'on pourrait avoir dans une formation traditionnelle. Et avoir ce contact à tout moment par Teams ou directement assez proche, c'est vraiment un plus. Je suis vraiment plus acteur en fait de ma formation. J'ai vraiment plus conscience de mes compétences et comment les faire évoluer. De travailler en mode projet, ça apporte une certaine montée en compétence sur l'autonomie parce qu'on doit toujours, malgré les supports qu'on a en plus, on doit quand même essayer de travailler et comprendre le projet par nous-mêmes, donc soit par groupe mais aussi individuellement. Et on doit chacun donc apporter cette analyse, et donc ça c'est vraiment pratique d'avoir ce travail, parce qu'on ne l'a pas forcément dans une formation traditionnelle où on va simplement suivre des exercices. Là c'est vraiment utile de travailler là-dessus parce que c'est utile partout, même en... dans cette formation-là, on a vraiment aussi cette similitude en fait avec l'entreprise. On n'est pas vraiment détaché du monde professionnel, on est dans une simulation de contexte professionnel. Et donc on utilise les mêmes méthodes, que ce soit agile, les daily meetings, ce genre de choses qui se font beaucoup en entreprise. Et donc savoir faire ça avant de rentrer en entreprise, parce que le stage est bien plus tard après la formation, c'est utile parce que du coup on s'est déjà vraiment pratiqué et les entreprises aiment bien. Alors, au niveau des compétences, donc comme je l'avais dit tout à l'heure, on a vraiment l'impression, on ressent vraiment beaucoup plus notre niveau, parce que c'est pas des simples notes, c'est plus des fiches d'évaluation, des choses comme ça qui sont bien structurées et qui permettent vraiment d'avoir notre niveau et de savoir sur quoi faut qu'on progresse et de quelle façon, parce que les critères ils sont bien définis. Motivation, implication et progrès.